Que dire qu'il n'ait pas déjà été dit sur ce film? Il n'a clairement pas eu besoin de moi pour faire des entrées ni pour marcher, que ce soit à l'étranger ou ici en France. Mais maintenant, c'est à moi d'apporter une nouvelle pierre à cet édifice d'éloge. Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler de Imitation Game de Mortem Tildum avec Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles Dance. Avant toute chose, je voulais faire une petite aparté. Je vous avais promis sur Facebook que j'aurais un micro-cravate, etc. Chose que j'ai effectivement, mais comme je suis un boulet intersidéral, j'ai oublié le micro-cravate chez moi, voilà. Donc vous allez encore vous taper une vidéo avec un son mauvais, c'est-à-dire celui-ci. Je tenais absolument à la faire avant qu'elle devienne complètement hors sujet et que Imitation Game soit vraiment... parce qu'il est sorti déjà il y a un petit moment, donc voilà, je voulais quand même être un petit peu dans l'actu. Mais promis, les autres vidéos, normalement, je vais attendre que le micro-cravate, que ma mère me le renvoie, mais... Bon voilà, je suis un boulet interstellaire, j'en suis désolée. Imitation Game, c'est un biopic sur Alan Turing, qui est un mathématicien qui a cassé le code Enigma. Donc qu'est-ce que c'est le code Enigma? C'était la machine qu'avaient inventé les Allemands pour s'envoyer des messages codés à travers la radio. Et il est notamment considéré aussi comme l'inventeur de l'ordinateur, puisque sa machine ressemble très très fortement à un ordinateur. Il est très très dur de s'attaquer à des films comme ça, parce qu'ils sont absolument inattaquables, que ce soit de par leur popularité ou de par leur réalisation, qui est tout à fait impeccable. J'ai cependant 2-3 petites choses à redire. Je trouvais que ce film avait tendance à être un petit peu manichéen et c'est quelque chose qui me dérange beaucoup dans les films, quand on présente les choses quand elles sont extrêmement tranchées comme ça. Je trouve que c'est dommage parce que c'est une vision de la vie qui est déformée et il faudrait que les gens arrêtent de nous opposer toujours le bien, le mal. Comme ça, je sais bien que sur un sujet comme la guerre ou sur Hitler, ce genre de truc, c'est très compliqué à faire. Je dis pas que moi-même j'y arriverai, hein, pas du tout. Et en fait, c'est pas tant que le film est... soit manichéen, parce que les personnages sont plutôt intéressants, c'est surtout que le film a tendance à être un peu simpliste et à offrir une vision des choses qui soit en surface. Je peux pas demander à ce film d'être un film historique et d'être un docu-fiction, d'être quelque chose d'extrêmement intense sur la guerre et ce genre de choses, mais je trouve qu'on a du mal à ressentir l'urgence de la guerre, je trouve qu'on a du mal à ressentir les situations de crise, et je trouvais que de manière générale, le film était un peu trop en surface et... ça m'a un petit peu dérangée. Quelque chose qui m'a beaucoup dérangée, c'est que je trouve que le film tombe très vite dans le pathos et dans le larmoyant. Et ça, d'autant plus que, à certains moments, le film s'étire en longueur. Et du coup, quand on a des moments de pathos qui s'étirent en longueur, je trouve que c'est dommage parce que ça fait perdre beaucoup d'impact à un film qui aurait gagné à être un peu raccourci et à avoir moins de moments pathos et larmoyants. Parce que même si le sujet du film est évidemment extrêmement triste et extrêmement tragique, t'es pas obligé d'en rajouter des tonnes. Des fois, je trouvais par exemple qu'à la fin, c'était très bien joué d'avoir juste mis des phrases, des faits en phrases, parce qu'en fait, c'est juste les faits en soi qui nous choque et c'est pas forcément... T'as pas besoin d'être une musique avec des tas de violons et de mettre tous des personnages qui chialent. Des fois ce genre d'effet juste très très simple, ça fonctionne très bien. De manière globale, ce que je reproche, c'est vraiment ça. Un film qui reste un peu trop en surface et qui manque de profondeur et d'ampleur, je trouvais que c'était dommage. Une dernière petite chose au niveau de la réalisation, cette fois, je trouvais que les passages temporels étaient pas... Enfin les flashbacks, parce qu'il y a 3 temps différents qui se superposent dans ce film. Je trouvais que c'était pas toujours super bien foutu, notamment avec l'inspecteur. On savait pas trop si c'était dans le passé, dans le présent, dans le futur. Au début on était un peu perdu comme ça. C'est peut-être un but, mais dans ce cas c'était peut-être pas assez appuyé. Il y avait voilà une petite chose comme ça au niveau de la réelle qui était pas maîtrisée et c'est un peu dommage. En dehors de ça, Imitation Game a bien sûr été un des grands films inratables de ce début d'année et je dois dire que ça fait plaisir à voir. Le biopic a vraiment le vent en poupe ces dernières années et je dois dire que quand les films sont de la qualité de Imitation Game, c'est vraiment un grand plaisir à voir. C'est très divertissant, à la fois très pointu, très intéressant. Vraiment, c'est un régal pour les yeux, pour l'esprit, pour tout. C'est de vrais moments de cinéma. Il y a pour moi 2 grands points d'orgue principaux qui servent ce film, c'est la bande originale et puis les acteurs. Une fois de plus, je vais m'attarder sur la bande originale, chose que je n'ai pas l'habitude de faire, mais la composition qui a été faite est absolument merveilleuse. Le thème qui sous-tend tout le film et donne de l'ampleur à des choses, rend des pics en fait des choses qui ne le sont pas. Par exemple, quand on les voit faire leur machine, au final ils sont juste en train de tripatouiller, d'essayer de faire leur machine et en fait ça prend une dimension complètement épique, un truc comme ça qui devient très puissant d'un coup. Je trouvais que cette bande originale vraiment sous-tendait tout le film et faisait une grande part de l'appréciation du film. Et comme je vous l'ai dit, les acteurs. Benedict Cumberbatch, je sais qu'il a joué dans la fameuse série Sherlock Holmes, que je ne regarde pas, que je n'ai jamais vu. D'aucuns se sont plaints parce que leur rôle se ressemblait beaucoup. Moi je ne peux pas juger, je sais juste que là, dans ce rôle là...
qu'est-ce qu'on peut dire face à ça? Il est époustouflant. Vraiment, il est époustouflant, il n'y a rien d'autre à dire. Et tous les acteurs, hein, même les rôles secondaires, tous les autres acteurs, les quatre qui jouent le groupe de travail de Alan Turing, ils jouent super bien. Et Charles Dance, donc, qui joue Tywin dans Game of Thrones, est une fois de plus très froid, très cynique, extrêmement détaché, avec des mimiques extrêmement hautaines. J'adore ce genre de personnage. Il le joue à la perfection. Keira Knightley est extrêmement convaincante, très brillante. Bizarrement, j'aimais pas trop cette actrice il y a quelques années et je trouve qu'elle a tendance à camper des rôles qui deviennent de plus en plus intéressants, à faire des vrais rôles de composition et un travail d'actrice vraiment au sens de créer des personnages et vraiment s'imprégner d'un personnage. Elle change tout le temps de rôle, elle n'est jamais dans le même registre et j'ai tendance vraiment de plus en plus à apprécier son travail, à apprécier qui elle est et ce qu'elle fait. Et là, je trouvais que dans ce rôle-là, elle était très très convaincante. La réalisation est extrêmement impeccable et propre, peut-être même un peu trop propre. Je trouvais que ça avait tendance peut-être à manquer un peu de personnalité. Ça avait tendance à être tellement lisse que ça en devenait trop sans aspérité. En fait, ce film, au niveau de la réalisation, est vraiment dans le standard de ce qu'on attend actuellement et j'ai pas eu l'impression qu'il y avait vraiment un point de vue particulier, un message d'auteur à passer, une vue particulière sur les choses qui étaient présentées. C'est un petit peu dommage au niveau de la réal, c'est aussi un petit peu ce que j'ai à reprocher. Un film qui est un peu trop lisse pour moi, un peu trop plat, de même que le fait que je vous reprochais qu'il était un petit peu trop lisse au niveau du... au niveau de la profondeur, que je trouvais que voilà, il y avait... Il manquait d'intensité par moment, ben là je trouve que la réalisation c'est un peu pareil, elle manque parfois d'intensité, mais ceci dit c'est une très très bonne réalisation, classique, efficace, et y a rien à redire, hein. Les images sont très belles, le montage est super, le film est un excellent divertissement, en plus tout se passe bien, je vous ai expliqué qu'il y avait quelques longueurs, mais ça ne gâche absolument pas le plaisir du film, au contraire, on était vraiment à fond du début à la fin. Le film, en plus d'être divertissant, est très instructif, parce que tout ce qui est l'univers de ces années-là, l'histoire de ces années-là, il y a quelques images d'archives qui sont utilisées par moment. On est vraiment plongé dans le Londres de ces années-là. Donc les costumes, les décors, les personnages, tout ça est plutôt fidèle et plutôt bien foutu. On apprend des choses en plus sur la vie de Alan Turing, ce qui est plutôt instructif. Et le film est divertissant, c'est-à-dire qu'il met parfois des moments qui sont un peu plus contemplatifs et repliés sur le personnage qui pense. Il y a des moments qui sont beaucoup plus consacrés justement à l'action et aux personnages qui font des choses. Il y a des moments qui sont dédiés plutôt à l'humour. Il y a des moments où on s'intéresse plus à la vie, donc on fait avancer l'aspect biographique de la chose. Donc bien foutu au niveau du rythme, une très très bonne gestion de l'aspect divertissant de la chose. Comme je vous l'ai dit, ce film avait quelques scènes humoristiques et ce que j'ai trouvé intéressant avec ces scènes, c'est qu'elles rendaient vraiment hommage à l'humour anglais, à savoir un humour qui est très absurde. Donc comme je vous l'ai dit, il y avait par exemple la scène de la dame dans les décombres qui buvait son thé, qui est complètement décalée, complètement anachronique, comme ça, très rigolote, mais surtout une des scènes qui est le plus drôle. Bien sûr, ceux qui ont vu le film sauront de quoi je parle, je ne l'explicite pas trop pour ne pas spoiler les autres. C'est la scène de la pomme, donc où il arrive et il donne des pommes à ses collègues. Vraiment complètement décalé et qui reprend tout ce qui a fait le peps de l'humour anglais. Donc ça, c'est pareil, je trouvais que c'était un bel hommage. Et le film porte super bien son titre, puisque tout en fait dans ce film repose sur les non-dits, les secrets, les choses que l'on cache, et surtout sur le fait d'imiter la normalité et d'imiter la réalité. Donc Imitation Game, tout est un jeu d'imitation, un jeu de dupes. Il y a vraiment plusieurs sous-couches de secrets. Donc il y a bien sûr, dans un premier temps, le fait de décoder la machine Enigma. Il y a le fait pour le personnage de la femme de devoir se cacher, parce que c'est très très mal vu en ce temps-là pour une femme de faire un métier d'homme. Donc elle doit se cacher aux yeux de ses parents, elle doit se cacher dans un foyer de jeune fille pour faire croire qu'elle devient secrétaire. Quand ils arrivent à casser le code Enigma, chose très surprenante du film, ils doivent le cacher pour que ne pas que les Allemands se doutent qu'ils ont cassé le code et donc foutre à néant toutes les années de travail et de recherche qu'ils ont fait dessus. Et pour cela, ils font appel à une division secrète du gouvernement qui est normalement faite pour cacher des choses à son propre gouvernement. Donc encore une sous-couche de secret à rajouter. Il y a le fait, bien sûr, de devoir se cacher des Allemands, donc le fait littéralement de devoir se cacher des bombes, par exemple. Donc on a un passage notamment où il y a une alerte à la bombe, où tous les gens se réfugient dans des abris. Donc là, le fait de se cacher devient
littérale. Et je trouve que par exemple la scène où il y a la jeune femme après être sortie de l'abri qui boit du thé sur les cendres de sa maison comme si de rien n'était. Encore une fois, c'est un jeu de dupes, c'est une imitation de la réalité, on fait comme si tout était normal alors que ce n'est pas le cas. Donc une fois de plus, ça rajoute à cette imitation game qui est le MacGuffin en fait, qui est vraiment le trait constant de tout ce film, qui se retrouve partout, le gimmick de ce film, un titre extrêmement bien trouvé, extrêmement pertinent. Je dirais même que le film va jusqu'à se cacher lui-même, puisque dans ce film, on a le vrai sujet, le vrai propos du film, qui est l'homosexualité, et notamment la façon dont les homosexuels ont été traités, et bien sûr, c'est aussi un point de vue qui est porté sur la manière dont ils sont toujours traités aujourd'hui. Et donc le film va jusqu'à cacher son propre sujet, et je trouve que c'est super intéressant d'avoir un film qui soit divertissant, grand public, qui ait cet aspect biopic, mais qui soit en plus un film avec un vrai sujet et une vraie profondeur. Il porte aussi un regard intéressant sur la condition féminine, et je pense que ça aussi c'est un retour sur les choses qui se passent encore actuellement, puisque la condition féminine continue chaque jour à évoluer et heureusement à s'améliorer. Mais vraiment le sujet principal, même si bien sûr la condition féminine y est aussi, c'est surtout, je vous l'ai dit, l'homosexualité, qui était traitée à l'époque comme un crime, hein, ils allaient en prison. Donc Alan Turing, à la fin du film, se retrouve avec le choix d'aller en prison ou d'avoir la castration chimique. Les dernières phrases, pardon, qui clôturent le film, rendent vraiment une conclusion vis-à-vis particulièrement de ce sujet-là. Alan Turing a vraiment été utilisé comme prétexte à traiter le sujet de l'homosexualité et à porter un regard vindicatif sur l'homosexualité et sur la cause des homosexuels. Je trouvais que c'était très intéressant d'avoir un film qui prend pas le public pour des cons et qui dit, bah écoutez, il se passe encore des trucs actuellement et moi j'ai envie en tant que réal de me poser et de porter un point de vue sur les choses et de porter un point de vue sur le passé pour vous rappeler qu'encore aujourd'hui, bah, y a des choses qui se passent et qu'il faudrait peut-être vous bouger le cul un petit peu pour que ça change. Imitation Game au final est pour moi un peu trop classique et attendu pour que je le qualifie de chef-d'œuvre. Il reste néanmoins un film qui est pour moi incontournable et qui rend un hommage qui est extrêmement juste et très 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 émouvant à Alan Turing. Il le fait en mettant sa forme au même niveau que son fond, et il n'oublie pas, ce qui est presque un luxe à notre époque, de développer un vrai propos cohérent et intéressant en plus d'avoir un univers qui soit cohérent. Ma critique de Imitation Game est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez vu le film ou que vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo, à vous abonner à la chaîne si jamais ça vous plaît. Et puis moi, je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !